Salut, c'est Geoffrey et mon moment est enfin arrivé. Après des années de lutte et de chantage, je peux enfin faire une vidéo sur un film dont je parle tellement souvent que c'est devenu un running gag. Il s'agit bien sûr de Southland Tales, le film maudit de Richard Kelly, réalisateur de Donnie Darko et The Box. Ce film avec Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Sean William Scott et Justin Timberlake, qui parle de failles spatio-temporelles, de fascisme, de sextape, de meurtre et d'apocalypse. Alors oui, je sais, ce film a des problèmes. C'est très facile de s'en moquer, de dire que c'est naze, que c'est du sous David Lynch, du sous Pulp Fiction, du sous Philip K. Dick. C'est facile aussi de juste parler de l'aspect business de Southland Tales, de sa présentation catastrophique au Festival de Cannes, de sa sortie sacrifiée, et de la carrière brisée de Richard Kelly qui est passé de jeune petit prodige à petit loser pour pas mal de gens. Mais Southland Tales, c'est bien plus que ça. C'est un cas d'école, c'est une anomalie, une folie, une aberration même, et un pur objet de fascination. Pour moi, c'est une œuvre unique en son genre pour les meilleurs et bien sûr pour le pire. Mais vous allez voir que le pire fait aussi partie du meilleur en fait. En tout cas, je vais essayer de partager un peu de ma passion pour ce film et vous donner envie de rejoindre la secte Southland Tales avec cette vidéo. Déjà, pour vous donner envie de rester devant votre écran en faisant appel à vos plus bas instincts, je vais commencer par le pire de l'histoire, parce que tout le monde aime les histoires de désastre. Je vais donc parler du moment où tout a basculé, quand le rêve s'est transformé en cauchemar. Je parle bien sûr de la présentation au Festival de Cannes. On est en 2006, c'est l'année de Babel, Marie-Antoinette, Le Labyrinthe de Pan, Bolbert, Indigène ou encore Le Vent se lève qui aura la Palme d'Or. C'est aussi l'année où Da Vinci Code a été projeté en ouverture, ce qui était peut-être déjà un présage d'apocalypse. Oui ? Non, je n'en sais rien. Pourquoi ? Et en compétition, on trouvait des noms assez logiques pour Cannes. Nanni Moretti, Aki Kaurismäki, Bruno Dumont, Paolo Sorrentino, Xavier Giannoli et Richard Kelly, qui sort un peu du lot. À l'époque, Richard Kelly a tout juste 31 ans. Il sort de Donnie Darko, qui a été un échec à sa sortie en 2001, avant de devenir un succès et un film culte au fil des années. Il vient d'écrire le scénario de Domino, réalisé par Tony Scott, et apparemment, on lui avait même proposé de réaliser X-Men 3. Bref, il a la cote, et il en a profité pour se lancer dans un projet personnel ambitieux qui s'appelle Southland Tales, qui était son deuxième film. Et c'était un rêve d'être au Festival de Cannes. C'était même plus que ça, c'était une hallucination. Une hallucination collective. Southland Tales, un film de SF humoristique et absurde avec Dwayne Johnson en espèce de messie, Sarah Michelle Gellar en star du porno, montré à Cannes face à Pedro Almodovar et Ken Loach, même lui n'y croyait pas, et c'est justement ça le problème. Ils n'y croyaient tellement pas qu'ils ont envoyé un montage pas du tout fini au comité de sélection, et quand ils ont été acceptés, c'était la panique. Impossible de refuser un tel honneur, donc ils ont arrêté le montage et ont commencé à bosser sur les effets visuels, qui n'ont pas eu le temps de finir, ni l'argent de finir surtout. La version de Southland Tales montrée à Cannes, c'était donc un film qui n'était pas fini. Richard Kelly avait envie de le crier sur tous les toits, mais tout le monde lui a conseillé de se taire pour faire comme si tout allait bien. J'ai aussi lu dans Télérama, dans la critique de l'époque de Télérama, que les sous-titres étaient légèrement décalés, donc on parle vraiment d'une projection fantastique à Cannes. Pour beaucoup de gens dans l'équipe, notamment Richard Kelly, Dwayne Johnson et Sarah Michelle Gellar, c'était la première fois qu'ils allaient à Cannes, c'était donc un rêve, mais après la projection, tout a basculé. Dès le lendemain, l'équipe s'est réunie pour parler de l'inévitable, il fallait revoir le montage du film, le raccourcir et finir les effets visuels. Sarah Michelle Gellar a rarement reparlé de Southland Tales, mais elle a dit une chose intéressante. Pour elle, c'est un film sur Los Angeles. Le titre vient de là, Southland, c'est le nom de la Californie du Sud. Donc pour elle, il aurait dû être montré à Los Angeles, parce que Cannes, c'est un tout autre monde et ce n'était pas forcément le bon public. Dwayne Johnson a lui aussi un peu reparlé de cette expérience à Cannes. Il raconte que ça a été un coup dur parce qu'il était très fier du film et il avait confiance, mais après la projection, il a vu tout le monde paniquer autour de lui. Ils sont allés à la traditionnelle conférence de presse et il raconte qu'il n'oubliera jamais la première question posée par un journaliste. Je dois être honnête, j'ai jamais vu autant de monde sortir d'une salle. Qu'est-ce qui se passe avec votre film ? Avec le recul, Richard Kelly pense que le Festival de Cannes était la meilleure et la pire chose qui puisse arriver au film. La meilleure parce que, bah, déjà, c'est un honneur incroyable pour un réalisateur, surtout à son âge, d'être invité dans une telle sélection, et surtout avec un film si loin des clichés films d'auteur de Cannes. Mais c'est aussi le pire parce que ça a tué dans l'œuf Southland Tales, et au lieu de lancer sa carrière, ça l'a enterré. Richard Kelly en a reparlé une tonne de fois depuis, et il est plutôt en paix avec ça. Il raconte même que s'ils avaient eu l'argent nécessaire pour finir le film en temps et en heure, ça n'aurait peut-être rien changé. Bref, Southland Tales a explosé en plein vol à Cannes pour entrer dans son histoire de la pire des manières, mais finalement, c'était peut-être l'idéal pour ce film qui rigole du chaos et du déclin de la civilisation, et qui se termine dans un gigantesque crash sous forme de feu d'artifice à Hollywood. Quel meilleur moyen de célébrer ça qu'avec un crash symbolique à Cannes, dans les huées et la honte, au milieu de journalistes et artistes qui pensent parfois, souvent, être des soldats d'élite au nom de la bonne culture et du vrai cinéma. Est-ce que c'est pas un peu génial au fond que Southland Tales ait eu l'effet d'un pavé dans cette mare de paillettes ?
Pour beaucoup de monde, Southland Tales est un grand film malade et c'est d'autant plus beau qu'il y a une part de chaos et d'accidentel là-dedans. Richard Kelly a commencé à écrire ce scénario pendant qu'il cherchait à financer Donnie Darko et enchaîner les refus partout à Hollywood. À l'époque, c'était un scénario beaucoup plus simple, c'était une sorte de Big Lebowski, avec un groupe d'acteurs losers qui essayent d'extorquer de l'argent à une star de cinéma dérangée. Ils se retournaient finalement les uns contre les autres et à la fin, un dirigeable explosait au-dessus de Los Angeles. C'est cette version que Tony Scott a lue et a aimée et qui lui a donné envie d'engager Richard Kelly pour écrire le scénario de Domino. Ensuite, Southland Tales s'est transformé avec tout un tas d'autres éléments. La faille spatio-temporelle, la star de porno, la sextape, la surveillance à la Big Brother, les élections en Californie, la technologie qui fait dérailler la planète Terre, les violences policières, la montée de l'extrême droite, l'histoire des soldats, la drogue, la Troisième Guerre mondiale. À l'époque, ça encapsulait tout un tas de peurs, d'excès, de folies et d'aberrations des années 2000 face au terrorisme, au capitalisme, au réchauffement climatique, aux dérives de la pop culture et de la civilisation occidentale de manière générale. Plus simplement, face à cette impression qu'on va dans le mur, mais qu'on fait comme si c'était pas très grave, en continuant à meubler nos existences avec du vide. Presque 20 ans après, tout ça est de moins en moins délirant. Mais comment un scénario au départ si simple a pu devenir si énorme et obèse? Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première s'appelle Donnie Darko. Avant d'être un film culte grâce aux DVD et grâce aux gens, c'était un petit désastre, très mal accueilli au festival de Sundance en 2001. Ça a marqué Richard Kelly qui a eu envie de se replonger dans Southland Tales juste après. Et c'est parce que Donnie Darko est ensuite devenu super culte qu'il s'est sûrement senti pousser des ailes et qu'il a transformé Southland Tales pour en faire un méga film. Deuxième raison, le 11 septembre est arrivé et ça a tout changé évidemment. Impossible de faire un film sur l'Amérique de la même manière, on ne rigolait plus des mêmes choses de la même manière pour les mêmes raisons. Troisième raison, probablement, Richard Kelly devait à un moment réaliser le film de science-fiction Prédiction, qui parle d'une fin du monde programmée, inévitable, avec une sorte de prophétie très cryptique. Tout s'est écroulé pour des raisons de budget, et c'est finalement le réalisateur Alex Proyas qui le récupérera des années plus tard pour le faire avec Nicolas Cage. Après tout ça, Richard Kelly est revenu à Southland Tales avec beaucoup de nouvelles munitions. Il y a injecté des éléments de dystopie, de politique, de religion, pour que ce soit beaucoup plus gros. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il ait essayé à un moment d'adapter le roman Le berceau du chat de Kurt Vonnegut, j'espère que ça se dit comme ça. Dans les deux, il y a une même histoire, en tout cas le même sentiment d'apocalypse absurde, d'humanité paumée, de délire religieux, de science-fiction délirante, et de rire grinçant autour de la fin du monde. Donc si Southland Tales ressemble à plusieurs films en un, c'est finalement normal. Il a été construit en plusieurs étapes et Richard Kelly n'a pas trié, il a juste rajouté, empilé jusqu'à l'overdose. Il avait un peu envie de tout raconter, ou en tout cas d'essayer de raconter toutes les émotions contradictoires de son époque, de cette culture et de cet endroit. Et puisque Donnie Darko avait été incompris à sa sortie, j'imagine que les gens autour de lui se sont dit « Ok, je comprends rien à Southland Tales, mais cette fois, je vais pas être débile, je vais pas passer à côté, je vais lui faire confiance, comme ça, si ça devient un futur film culte, au moins, je serai dans le coup. » C'est le moment où je vais essayer de vous résumer l'histoire de Southland Tales, sans spoiler, mais franchement, si vous l'avez vu une seule fois il y a des années, vous avez sûrement tout oublié, donc c'est pareil. Alors, Southland Tales, ça se passe durant les trois derniers jours avant l'apocalypse, dans une Amérique où une double attaque terroriste nucléaire a tout changé en 2005. Une troisième guerre mondiale a donc commencé et les États-Unis se battent contre l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord et l'Afghanistan. Le gouvernement a mis en place un système de surveillance pour contrôler la population, les frontières entre les États, les rues, Internet, bref, tout. Ça s'appelle USI Dent. Évidemment, des gens s'y opposent, et notamment un groupe de néo-marxistes qui veut interférer avec les élections en Californie et foutre le bordel avec un scandale. Pour ça, ils utilisent Ronald Taverner, parce que son frère jumeau Roland est un flic raciste. Tous les deux sont joués par Sean William Scott. Ronald doit donc prendre la place de son frère pour apparaître dans un faux meurtre filmé qui dévoilerait les violences policières. Et un autre homme est utilisé malgré lui pour être un témoin parfait dans ce coup monté. Boxer Santaros, une star de cinéma jouée par Dwayne Johnson, qui est également, attention, le beau-fils du gouverneur de la Californie, lui-même marié à la boss de l'agence de surveillance USI Dent dont je parlais juste avant. Et ce boxeur Santaros prépare un film où il jouera un flic, c'est pour ça qu'il accompagne Ronald Taverner durant une patrouille. Sauf que Boxeur Santaros est amnésique après avoir mystérieusement disparu et réapparu. Et depuis, il couche avec Krista Now, jouée par Sarah Michelle Gellar. C'est une star du porno qui a tout un business autour d'elle et qui a filé leur sextape aux néo-marxistes et va essayer de tirer profit de tout ça. Il y a aussi un vétéran de la guerre en Irak traumatisé par ce qu'il a vécu, c'est Justin Timberlake, et c'est lui qui raconte l'histoire en voix off. Ce n'est pas fini. En parallèle, une société allemande qui s'appelle Trier et qui ressemble à un spin-off de Twin Peaks présente une technologie révolutionnaire pour régler le problème d'accès au pétrole avec la guerre. Ça s'appelle Fluid Karma, et c'est une source d'énergie inépuisable, comme du gros Wi-Fi en gros, qui utilise le mouvement des océans, mais qui a quelques effets secondaires bizarres, comme ralentir la rotation de la Terre et ouvrir des failles spatio-temporelles. Là, je vous ai raconté qu'une partie de l'histoire, et vous avez sûrement déjà eu un fou rire nerveux, en tout cas moi j'ai failli en avoir un. Sachez qu'après avoir vu le film 10 ou 15 fois, ou peut-être plus, il y a encore des trucs que je comprends pas trop, et vous savez quoi, ben je m'en fous, c'est pas grave.
Ça fait partie de l'expérience, et clairement, Richard Kelly lui-même s'est fait dépasser par sa création. C'est pendant la préparation du film qu'il a eu envie d'écrire des romans graphiques pour développer l'histoire avec des préquels. C'est pour ça que dans le film, on voit les chapitres 4, 5 et 6. C'est un peu comme Star Wars, en fait, on commence pas par le début, mais les trois premiers chapitres de Southland Tales existent en comics sortis en 2007. On en voit des bouts dans l'intro de la version cinéma, et d'ailleurs j'en profite pour passer un appel dans cette vidéo. J'ai prêté mes comics Southland Tales à quelqu'un il y a des années, mais je ne sais plus qui c'est, et il me les a pas rendus. Salaud ! Donc si tu regardes cette vidéo, tu peux encore me contacter pour que je te pardonne, tout n'est pas perdu. Je reviens à Richard Kelly, il a écrit le chapitre 1 pendant la prépa du film, développé le 2 pendant le tournage, et a fait le 3e pendant le montage. C'est sûrement pour ça que pendant le tournage, pas mal d'éléments du scénario évoluaient. Et d'ailleurs, il y a quelques scènes du film qui sont directement transposées des comics, si bien que ça fait doublon. En gros, les acteurs et actrices se laissaient porter et faisaient confiance au capitaine du navire, parce que soyons honnêtes, pas grand monde ne devait comprendre dans quoi ils avaient foutu les pieds. Mais tout le monde avait envie de suivre le réalisateur de Donnie Darko. C'est pour ça que Southland Tales avait tout d'un miracle au départ, ça ne ressemblait à rien, ça ne rentrait dans aucune case, personne n'en voulait, mais les étoiles se sont alignées. Et c'est en grande partie grâce à The Rock, ou devrais-je dire Dwayne Johnson, parce que Southland Tales marquait la première fois qu'il était crédité sous son vrai nom. Pour lui aussi, ce film aurait dû être un tournant majeur, mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, et au fond, c'est peut-être ça qui a mené ce mec, au final, à faire Jumanji et Black Adam dans sa carrière. Le premier qui a signé pour Southland Tales, c'est Sean William Scott, qui sortait de deux American Pie, et quelques autres films comme Bienvenue dans la jungle avec The Rock. Dwayne Johnson est le deuxième acteur à avoir signé, et à l'époque, il était au tout début de sa carrière d'acteur. Il sortait à peine de Be Cool et Doom. Sarah Michelle Gellar est arrivée après, elle avait le vent en poupe, puisque Buffy contre les vampires était fini depuis 2003, et au cinéma, elle avait enchaîné les cartons des films Scooby-Doo et The Grudge. Avec ses acteurs en poche, mais surtout Dwayne Johnson selon Richard Kelly, le financement a été lancé. Ils ont rassemblé un budget de 17,8 millions de dollars, c'était une production indépendante financée avec plusieurs boîtes. C'était un budget très serré parce que Richard Kelly, en fait, il aurait plutôt voulu 50 millions, mais c'était bien assez pour se lancer comme un kamikaze. Ce trio entre American Pie, Buffy et Le Catch, c'était déjà une note d'intention. Southland Tales est un film sur et pour la pop culture, qu'on la trouve ridicule, passionnante, importante, vaine, vulgaire ou cool. Le reste du casting va dans ce sens, on a Justin Timberlake, pop star qui à l'époque commençait à peine sa carrière d'acteur, plein d'artistes du Saturday Night Live comme Amy Poehler, Nora Dunn ou John Lovitz, on a aussi la chanteuse Mandy Moore, notre Christophe Lambert national, parce que pourquoi pas, les réalisateurs Eli Roth et Kevin Smith, et des gens normaux au cinéma comme Miranda Richardson. C'est vraiment un beau camoulox, mais c'était pas un hasard, c'était déjà une manière de mettre en scène le nuage d'informations monstrueux de la pop culture. C'est vraiment le bordel et c'est déjà une partie du message. Southland Tales est une satire de la pop culture, et quel meilleur moyen de le faire qu'en castant et détournant des égéries de la pop culture. Richard Kelly a donc choisi des gens qui portaient des étiquettes et leur a donné des rôles à l'opposé pour se jouer du public. Buffy est une star du porno en rose fluo, la montagne de muscles The Rock est un garçon égaré et névrosé, et Sean William Scott, le stifleur d'American Pie, c'est juste un mec mutique et torturé. Richard Kelly leur a dit « Oui, le film sera drôle, mais ce sera drôle parce que ces personnages prennent au sérieux ce qu'ils font. C'est ce décalage qu'ils voulaient. » D'ailleurs, sachez que les interprètes ont apporté leurs petites idées, et elles sont plutôt bonnes. C'est Dwayne Johnson qui a commencé à faire ce petit truc bizarre avec ses doigts, Richard Kelly a adoré. C'est Sarah Michelle Gellar qui voulait que Krista change de tenue dans chaque scène et soit brune à la fin. Et c'est Sean William Scott qui voulait avoir l'œil explosé à la fin, peut-être en hommage à Donnie Darko. J'en arrive maintenant à la vraie star du film, c'est la ville de Los Angeles. Tout le monde a accepté un salaire réduit et le plus gros du budget est parti dans les décors parce que Richard Kelly voulait tourner à Los Angeles, une ville qu'il adore et qu'il trouve joyeusement absurde depuis qu'il y est arrivé à ses 18 ans. Le tournage a duré 29 jours avec beaucoup de bricoles et de moments étonnants. Il n'y avait pas assez de temps ni d'argent pour faire plusieurs prises, donc par exemple la cascade du camion à la fin, ça a été fait en une seule fois. Quand ils ont tourné la scène où quelqu'un utilise une arme à feu à Venice Beach, ils avaient juste l'autorisation de tourner, mais pas de bloquer la zone, donc il y avait plein de gens normaux. Et Richard Kelly raconte que le bruit a été si intense et puissant que toute la zone s'est arrêtée, et que les joueurs de volley se sont jetés au sol en pensant que c'était une bombe. Richard Kelly a tourné l'intro, la scène de la bombe nucléaire, chez sa tante au Texas, et il a aussi filmé plein d'images de son côté avec son cousin, notamment pour tous les écrans de télévision chez US Ident. Donc on est vraiment pas loin d'une économie de débrouille et d'émerde avec une toute petite touche de kamikaze. La preuve avec la fameuse scène musicale avec Justin Timberlake. Richard Kelly tenait vraiment à ce moment et a décidé de filmer la scène sans même avoir les droits de la chanson de The Killers alors qu'il n'avait qu'une seule journée avec Justin Timberlake pour tourner toutes les scènes et toutes les voix du film. Il prenait le risque d'avoir perdu de précieuses heures de tournage pour rien si jamais The Killers refusait ou vendait trop cher les droits. Ils ont eu 3 ou 4 heures et c'était tellement géré en speed que par exemple le sang sur le t-shirt, c'est Richard Kelly qui l'a improvisé avec du faux sang qu'ils avaient dans leur sac parce qu'il aimait pas le t-shirt tout blanc. Voilà la signification cachée. Le hasard, le destin, l'instinct, le bordel. Tout ça est assez révélateur de quelque chose.
plein de gens ont analysé le film en disant qu'il avait quelque chose de visionnaire si on regarde l'état de l'Amérique depuis, avec par exemple Donald Trump, Kim Kardashian, Elon Musk qui pour rappel voulait épeler le mot « sexe » avec le nom des trois modèles de Tesla, ou encore Dwayne Johnson qui a lui-même parlé de se présenter aux élections présidentielles américaines. Je sais pas vraiment si Southland Tales est un film prophétique, mais je pense qu'il est vraiment symptomatique, ce qui est parfait pour un film si souvent qualifié de malade. Et oui, Southland Tales souffre de ses excès, notamment des ambitions de Richard Kelly. Il voulait pas juste faire un film, il voulait faire un méga film, une méga histoire, un méga univers avec trois comics préquels. Il pensait dès le départ à l'aspect collectionneur de ces objets, et il pensait dès le départ au potentiel de films cultes, très certainement grâce ou à cause de Donnie Darko. Il voulait écrire, voire prédire son propre futur en reproduisant ce miracle, mais cette fois en le préméditant. On est encore loin de Chris Tannau qui boit une canette de soda avec sa tronche dessus, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'ego et de la démesure là-dedans. D'ailleurs, ces trois préquels en comics, je les ai comparés à Star Wars tout à l'heure, mais en fait pas du tout, hein, parce que la première trilogie Star Wars, elle n'a pas besoin de la prélogie pour avoir du sens. Alors que les comics Southland Tales sont quand même vachement utiles pour comprendre ce qui se passe. Le meilleur exemple, c'est le personnage de Chris Tannau. Dans les préquels, je trouve que c'est quasiment un autre personnage. Dans le film, elle est à peu près tout le temps ridicule ou ridiculisée, mais dans les comics, elle est beaucoup plus sérieuse, intrigante, impressionnante, elle fait plein de choses. Elle a notamment une espèce de don paranormal, et c'est grâce à ça qu'elle a écrit le fameux scénario The Power, sous hypnose et après avoir pris des champis sous le contrôle de la société Trier. Oui, je sais, c'est drôle, même en le disant, j'arrive pas à rester sérieux. C'est donc elle qui a sorti, grâce à tout ça, cette prophétie sur la fin du monde. Le personnage de Fortunio est plus important aussi, parce que c'est lui qui trouve au tout début Boxer, amnésique, dans le désert, et c'est lui qui le ramène à Los Angeles avec l'aide de Christa. On découvre aussi pourquoi Boxer a tous ses tatouages religieux et pourquoi Jésus saigne à la fin dans son dos, là, à la fin du film, c'est un peu bizarre, mais normalement ça a du sens. On comprend mieux aussi ce fameux fluide karma qui est une substance extirpée des profondeurs de la Terre au fond de l'océan autour du noyau de la planète. Et quand on l'expose à l'air libre, ça crée un champ d'énergie, c'est ça tout l'enjeu du scénario. Boxer et Ronald sont vraiment liés et partagent même des rêves, et le personnage de Pilot, incarné par Justin Timberlake, est plus développé. C'était au départ un jeune acteur qui a justement travaillé à Boxer sur des tournages, il est devenu une star et il a été envoyé à la guerre où il a rencontré Roland Taverner. On en apprend plus sur cette drogue qu'il prend avant de faire son numéro musical dans le film, et qui est testée par le gouvernement sur les soldats pour activer une sorte de télépathie qui serait utile sur les champs de bataille. Et si on prend cette drogue fluide karma et qu'on a une montée d'adrénaline, on peut voyager dans le temps, d'abord dans le passé, puis dans le futur. Voilà quelques éléments qui sont très présent dans les comics et quasiment absent des films. Southland Tales, c'est donc un film d'overdose et en fait, Richard Kelly est lui-même un représentant de ce monde qu'il ridiculise avec tendresse. Il raconte qu'il regarde beaucoup trop les chaînes d'information, qu'il est trop collé à son téléphone et notamment à Twitter, donc quand il met en scène Nana May Frost qui ne peut pas décrocher ses yeux des écrans de surveillance qui espionnent Los Angeles, c'est certainement pas anodin. Même chose pour Krista et Boxer qui prennent ultra au sérieux leur scénario complètement déglingué, et Starla Von Luft qui confond carrément réalité et fiction. C'est la force et la faiblesse de Richard Kelly. Il voulait toujours ajouter quelque chose, une autre couche, une autre intrigue, une autre idée. Que ce soit toujours plus grand, plus riche, plus vertigineux, il ne voulait pas s'arrêter, et cet appétit, ça va avec le monde qu'il décrit. Le monde du toujours plus. D'ailleurs, à chaque fois que Richard Kelly parle du film depuis, il répète la même chose. Southland Tales est incomplet, c'est pas fini, et il aimerait le terminer. En fait, lui-même pourrait être un personnage de son film. Mais c'est aussi surtout grâce à ses excès que Southland Tales touche du bout des doigts des moments que je trouve magiques. Le ridicule, le grotesque, le comique côtoient la tendresse, la mélancolie ou la beauté. Ça passe notamment par la musique de Moby que Richard Kelly a contacté très tôt afin d'avoir les morceaux pour les diffuser sur le tournage pour les acteurs. Richard Kelly est très attentif à la musique, ça se voyait dès Donnie Darko, et ça se sent encore dans The Box dont je trouve la BO absolument géniale. Dans Southland Tales, les meilleurs moments sont presque toujours liés à la musique. Par exemple, quand Dwayne Johnson fait une espèce de crise, là, avec ses doigts, après la fusillade, et que Sean William Scott s'enfuit dans la brume sur Waves of Mutilation des Pixies. Ou quand Sarah Michelle Gellar fait une belle déclaration d'amour sur Blackout de Muse avant de quasiment se casser la gueule avec ses talons hauts, ou quand le Baron et Serpentine font une petite choré bizarre à la fin, ou encore quand Rebecca Del Rio reprend l'hymne national américain pour la rendre absolument flippante comme son Silencio dans Mulholland Drive, parce que oui, c'est la même chanteuse à l'écran. Dime tu que puedo hacer, no me quiero. Alors moi j'adore ces moments parce que là, il se passe quelque chose que je trouve étrange, drôle, étonnant, absurde et donc un peu magique. Bien sûr, le point culminant, c'est la danse finale sur Memory Gospel de Moby. Alors je vais pas mentir, il est possible que j'ai regardé cette scène beaucoup, beaucoup de fois, plus encore que le film lui-même. Elle réunit tout ce que j'aime chez Richard Kelly. C'est grotesque, c'est too much, c'est artificiel, c'est facile d'en rigoler et de se moquer,
mais c'est également tendre, poétique, hors du temps, mélancolique. Moi, je trouve ça super beau, j'arrive pas à l'expliquer, et c'est sûrement pour ça que la scène est encore plus spéciale. C'est une espèce de danse de la mort, un espèce de YOLO apocalyptique avec des paillettes où les personnages semblent sortir du film pour raconter le film. Vraiment, je trouve ça fabuleux parce qu'il y va à fond, et que ça transpire la tristesse et le désespoir, et moi, j'aime beaucoup. Et Southland Tales, c'est aussi plein de moments super drôles. Par exemple, la discussion sur la pilule du lendemain et le décalage horaire, qui me rappelle un peu une discussion similaire dans Gremlins 2. Sarah Michelle Gellar qui dit que le futur sera beaucoup plus futuriste que ce qu'avaient prédit les scientifiques, c'est génial. La manière dont Boxer jette Serpentine par terre à la fin du film. Le moment des révélations en pagaille dans le manoir, on dirait une telenovelas. La pub avec les deux voitures qui... Christophe Lambert en vendeur d'armes qui se fait éclater la tronche par une néo-marxiste. Ou encore Starla Von Luft qui menace le héros avec un flingue sur la plage parce qu'elle veut le sucer. En tout cas, Southland Tales multiplie les ruptures de ton, passe du premier au deuxième degré, se moque de ses personnages avant de les rendre attachants, se prend pour un thriller avant de tomber dans la grosse comédie, et ce bordel, c'est évidemment intentionnel. C'est une sorte de gros pot pourri avec toutes les odeurs de la pop culture. En fait, c'est un peu même comme si on zappait la télévision. On tombe sur un clip de musique super vulgaire, une série de SF, un flash info sur la guerre, un jeu télévisé avec des gens surexcités, un documentaire sur une secte New Age, un film d'action bourrin. C'est pour cette raison que parfois les personnages semblent vraiment jouer dans des films différents. Sachant qu'en plus dans ce monde, tout est filmé pour la protection des citoyens, donc chaque instant de vie est une vidéo et un film en puissance. Et tout ça, ça forme une certaine idée de la culture populaire et de comment on perçoit et consomme le monde. D'ailleurs, il y a plusieurs moments du film où on regarde un personnage zappé et fixé des écrans de télévision. Hasard ? Je ne pense pas. Au fond, on est tous un peu Nana et May Frost, et vous avez vu comment elle finit dans le film. Mais bon, tout ça, ce n'est que mon petit avis. Alors je sais que je suis pas le seul sur la planète Terre à aimer Southland Tales, nous sommes légion. Mais le fait est que globalement, le film a été rejeté. On en revient donc au fiasco à Cannes en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé après ce bordel ? Un miracle déjà, puisque le studio Sony l'a sauvé. Il fallait finir le film pour de vrai, mais pour ça il fallait de l'argent, et pour avoir de l'argent, Richard Kelly a dû faire une concession. Couper 20 ou 25 minutes de Southland Tales. A partir de là, le studio Sony, qui avait acheté le film pour 5 millions de dollars malgré la situation catastrophique, a accepté de financer la post-production complète, notamment les effets visuels. Richard Kelly a revu l'ordre des scènes, la narration, et a refait toute la voix off du personnage de Justin Timberlake. Tout ça a pris plus d'un an dans des conditions vraiment compliquées, puisque Richard Kelly raconte que tout le monde a fini par bosser gratuitement pour aller jusqu'au bout, et qu'il a même été aidé par des étudiants bénévoles, comme je vous le disais, une économie de grosses débrouilles. En novembre 2017, 18 mois après Cannes, Southland Tales était enfin fini et sortait au cinéma, mais seulement aux États-Unis et seulement dans 50 salles, avec un budget marketing proche du néant. Heureusement, le casting était du côté de Richard Kelly. Dwayne Johnson au Saturday Night Live, Sarah Michelle Gellar et Sean William Scott sur les plateaux de David Letterman et Jimmy Kimmel, sauf que... Le 5 novembre, 9 jours avant la sortie du film, une grève des scénaristes a commencé. Donc plus personne ne pouvait faire la promo habituelle. Alors ça, ça a été le dernier clou dans le cercueil de Southland Tales, qui s'est vautré en salle avec moins d'1 million de dollars au box-office domestique, un score absolument désastreux pour un film qui en avait coûté plus de 17. En France, il est sorti directement en DVD en 2009, presque 3 ans après Cannes. Autant vous dire qu'à ce stade, tout le monde l'avait oublié, sauf les gens un peu obsédés comme moi qui ont sauté sur le DVD. Mais le guerrier Richard Kelly n'a pas baissé les bras. Après tout, Donnie Darko avait presque suivi le même chemin avant de devenir culte. Il est donc parti en croisade pour que Southland Tales survive, et pour ça, il voulait aller au bout de son idée. Par la vraie version sans concession de Southland Tales, une sorte de Snyder Cut avant l'heure, en gros. Mais je vous dis tout de suite, ça n'est pas arrivé. Néanmoins, en janvier 2021, presque 15 ans après, un miracle a eu lieu, la version cannoise de Southland Tales, pas au cinéma mais en Blu-ray, chez Arrow Editions, qui a donc exaucé le vœu de nombreuses personnes comme moi. Cette version, c'est la version cannoise restaurée. C'est un montage différent avec 13 minutes supplémentaires. Parmi les changements, il y a une intro qui a été complètement repensée pour être beaucoup moins lourde et explicative, certaines scènes qui ont été déplacées, des musiques et des voix qui sont différentes, et il y a des scènes inédites par-ci par-là. C'est pas le film ultime que Richard Kelly avait en tête, mais ça permet de voir un peu mieux ce qu'il avait lui-même en tête. Et c'est un peu comme Alien 3 en Assembly Cut, même si, oui je sais, David Fincher n'a pas bossé sur ce montage. Mais dans les deux cas, on voit le puzzle d'un film, potentiellement celui d'un grand film. Pour Richard Kelly, c'était important de partager ça, cet embryon de film, ce qu'il devait raconter, en espérant que ça donne envie aux gens de le soutenir pour aller au bout. En tout cas, deux choses sont certaines. La première, le director's cut de Southland Tales, la vraie version de Richard Kelly, n'existe pas. Il considère que le montage cinéma et la version de Cannes sont des versions non définitives. Et la deuxième, c'est qu'il reste très fier de Southland Tales. Il ne regrette rien, même pas Cannes et même pas l'impact sur sa carrière. Et justement, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, Richard Kelly ? Il n'a rien réalisé depuis The Box avec Cameron Diaz, sorti en 2009, et préparez-vous, je compte en reparler prochainement parce que, évidemment, j'aime ce film. Sinon, au fil des années, Richard Kelly a parlé de je sais pas combien de projets. Le thriller Amicus avec Nicolas Cage,
Corpus Christi, l'histoire d'une amitié entre un vétéran d'Irak et un employé de supermarché, produit par Eli Roth avec Edgar Ramirez. Il a aussi annoncé qu'il travaillait sur un biopic de Rod Serling, le créateur de la 4ème dimension. Il a même parlé peut-être de faire un jour une suite à Donnie Darko, parce que le Donnie Darko 2 qui existe, qui est sorti en 2009, c'est pas du tout lui qui l'a fait. Et encore plus improbable, il disait en 2020 qu'il bossait sur une autre version de Southland Tales, une sorte de double film avec le préquel et le film de 2006 réunis, mais avec des scènes nouvelles, avec des parties en animation, parce qu'il voudrait aussi adapter le scénario à l'intérieur de son histoire. Alors oui, à ce stade, je comprends si vous pensez qu'il est fou. Richard Kelly dit en tout cas qu'il n'arrête jamais d'écrire, se démène pour concrétiser des projets, et qu'il n'abandonne pas, et certainement pas, Southland Tales. Alors est-ce qu'il va y arriver un jour? Bah bonne question, mais en tout cas moi j'espère. Parce que c'est un réalisateur avec qui j'ai beaucoup grandi, ma cinéphilie s'est construite en partie avec lui. La toute première fois que j'ai entendu parler de Southland Tales, c'était il y a fort longtemps. J'étais un simple ado fan de Buffy contre les vampires qui achetait des magazines comme Serimag. Sur une page, dans un petit encadré, je me souviens qu'il y avait une annonce disant que Sarah Michelle Gellar, mon idole, allait jouer dans un film présenté à l'époque comme une espèce de comédie musicale sur fond d'apocalypse. Ça a évidemment éveillé ma curiosité. Par la suite, j'ai découvert Donnie Darko que j'ai adoré. J'ai ensuite pisté Southland Tales, j'ai été voir The Box dès qu'il est sorti au cinéma, donc ça fait probablement pas loin de 20 ans qu'il est dans ma vie, bordel de chiottes, que Richard Kelly est là, dans ma petite galaxie de cinéphiles. Et le temps a beau passer, je continue à trouver son travail fascinant. Dans chacun de ses films, il y a des choses que je trouve extraordinaires et inspirantes. Et dans Southland Tales, il y a un petit truc en plus, c'est la sensation d'avoir sous les yeux une espèce d'étrange monstre, de créature difforme que j'ai envie de regarder encore et encore pour essayer d'en percer le mystère, un peu comme la scène où Roland fixe son reflet décalé dans le miroir. Et si je peux terminer avec un dernier conseil, c'est celui d'une double séance. Regardez Southland Tales et Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, qui avait été tièdement reçu à sa sortie en 2018, et d'ailleurs il était aussi passé par Cannes. Deux films sur Los Angeles, sur le labyrinthe de la pop culture, sur des gens qui n'ont plus aucun repère, qui pensent vivre dans des films, et qui essayent de se trouver et se retrouver dans un monde saturé de signaux et de messages, jusqu'à accepter au final l'absurdité de leur existence et de leurs rêves. Et j'espère qu'un jour on pourra faire une soirée écran large où on diffusera les deux films d'affilée pour en débattre. Bon, je vais finir par l'habituel message, hein. Si vous aimez ce genre de vidéo, le meilleur moyen de nous permettre d'en faire d'autres est de vous abonner à Écran Large. C'est grâce à ce soutien qu'on peut faire autre chose que simplement suivre et commenter l'actualité, même si on aime ça. Et en plus, ça vous donne accès à des articles exclusifs chaque semaine, et en 2024, on va en faire de plus en plus, rien que pour vous, chers abonnés. Les détails sont dans la description de la vidéo, et si vous avez regardé ça en entier, bah bravo, vous faites partie du club des êtres humains que je respecte. Je suis ravi d'avoir fait cette vidéo enfin, parce que j'en parle depuis environ 5 ans, et je vais maintenant passer à la suite. Quel est le prochain sujet dont je vais pouvoir parler en boucle jusqu'à ce qu'on me laisse faire la vidéo? Est-ce que ce sera Silent Hill, Greg Araki, Six Feet Under, Peter Greenaway, Julianne Moore? Je ne sais pas, mais je vous laisse voter dans les commentaires, et je vous dis à bientôt. Stop.